C'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, donc elle était à la base pas prévue, mais je vais tester un jeu qui s'appelle, comme vous voyez en haut, Akinator. Donc en fait ce jeu, je l'ai trouvé en regardant la vidéo d'un youtubeur que vous devez connaître, qui a sûrement, qui a testé ce jeu, donc Was Freestyle, hein, donc il s'était cherché lui dans ce jeu, donc vous allez tout de suite comprendre si vous n'avez pas encore vu sa vidéo. Donc en tout cas, je vous conseille d'aller la voir, donc allez sur la chaîne de Was Freestyle, il y en a sûrement certains qui le connaissent et qui sont abonnés comme moi à sa chaîne. Donc on va tout de suite commencer. Donc je voulais juste vous dire que demain on fera une vidéo FIFA. Donc demain on est mercredi, aujourd'hui on est mardi, donc demain on fera une vidéo FIFA. Donc je pense pas qu'il y aura de match de Ligue 1. Par contre, alors juste pour en venir sur le pack opening et la vidéo exclusive sur l'équipe du Racing, il y aura sûrement d'abord la vidéo équipe du Racing qui sortira, parce que le pack opening ça prendra un petit peu plus de temps que prévu. Je pense que la vidéo sur l'équipe du Racing sortira la semaine prochaine, ou ce dimanche, ou ce samedi. Voilà, mais je pense qu'elle sortira quand même la semaine prochaine. Et le pack opening, ça, je pense que ce sera soit fin de semaine prochaine, soit au retour des vacances. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Et sinon, le programme des vidéos de cette semaine, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc, on va tout de suite commencer. Donc là, vous faites directement, c'est parti. Donc là, en fait, c'est un personnage qui va vous proposer qui va vous demander des questions pour trouver ton personnage. Par exemple, moi, je vais vous faire un personnage réel, comme il me le demande là, et un personnage non réel. On va commencer par ça, et on va voir s'il nous trouve. Donc d'abord, ton personnage est-il réel? Donc sincèrement, je vais vous dire que moi, on va chercher par exemple, je sais pas, Neymar, puisque c'est mon joueur préféré. Donc on va chercher le joueur de foot Neymar. Ton personnage est-il réel? Bah oui. Donc vous avez à chaque fois 5 possibilités de réponse. Oui, ne sais pas, non, probablement, probablement pas. En haut à gauche, vous voyez que vous pouvez recevoir des sortes de crédits ou des sortes de gains pour pouvoir après modifier ton personnage ou changer quelques petits trucs. Donc voilà, ça sert à ça. Donc en fait, le but, c'est qu'il trouve quand même le personnage. Faut qu'il trouve. Bon, parfois, on peut un petit peu le faire chercher pour un petit peu l'embêter et le faire un peu douter. Mais en tout cas, je vous dis, je l'ai trouvé hier. Quand j'ai regardé sa vidéo, je l'ai testé. Le jeu, il est vraiment fort. Hein. Le gars, il trouve quasiment tout, vous allez voir. Donc ton personnage est-il en rapport avec le milieu du sport? Oui. Ton personnage a-t-il déjà vécu au Brésil? Donc là, ça commence déjà avec le mot Brésil, donc on va mettre probablement. Ton personnage est-il français? Donc on va mettre non. Ton personnage, regardez, donc là, ça commence déjà avec FC Barcelone. Donc, on va dire oui. Mais attendez, ton personnage est-il brésilien? Ça va être compliqué, parce qu'après, donc il va demander attaquant, mais on va lui dire oui. Ton personnage est-il ancien? Donc là, on va lui dire non. Ton personnage a-t-il joué en équipe de France? Bah non, s'il est brésilien. Ce personnage a-t-il récemment signé au FC Barcelone? Bah oui. Et donc là, regardez, donc là ça met un petit peu de temps, et là il y a l'étoile qui apparaît, et là il nous sort Neymar. Voilà. Donc là c'était juste pour vous montrer un petit exemple facile. Donc maintenant on va chercher quelqu'un de pas réel. On va voir comment... donc là on va essayer un petit peu de le faire plus douter. Donc par exemple on va prendre un personnage de Star Wars. Donc là vous faites oui, et là normalement vous recevez... Attendez, donc là, il nous montre son image. Le joueur ayant joué plus populaire, félicitations, tu as trouvé un personnage du défi du jour. Ah, c'était du défi du jour. Donc là, on a obtenu normalement quelques crédits. Donc voilà, attendez, là, on va juste enlever, si on peut, cette pub. Oui, voilà. Donc là, on va rejouer. Donc là, le personnage, je sais pas si vous avez vu, les personnes l'ont joué sur ce jeu plus de 349 000 fois. Il a été cherché. Donc là, maintenant, on va prendre, par exemple, un personnage de Star Wars, donc Yoda. Yoda, ouais. Ton personnage a-t-il joué au FC Barcelone? Bah non. Ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport? On va mettre probablement pas. Faites-le parfois un petit peu douter, c'est aussi marrant. Non, il n'existe pas réellement. Bon, parfois, les trucs vraiment... les questions bébêtes, là, vous répondez sérieusement. Je pense que c'est quand même un petit peu logique. Porte-t-il des vêtements? Bah oui. Donc c'est normal. Donc non, il n'est pas de sexe féminin. Oui, là, je crois qu'il a quelques cheveux. Est-il issu de l'animation japonaise? Donc non.
S'agit-il d'un personnage de dessin animé? Alors, est-ce qu'on peut se considérer ça comme un dessin animé ou film? On va dire oui, allez. Oui, il fait des combats. Non, pas ni Lego Ninjago. A-t-il des cheveux noirs? Non. Est-il un adulte? Enfin, ah, comment dire? On va mettre ne sait pas. A-t-il une épée? Bah, c'est un sabre laser, on peut considérer ça comme une épée. Non, il voit pas d'effet. Donc là, il met un petit peu plus de temps. Vous voyez qu'on en est en haut à gauche à la question 15. Alors non, il n'a pas un père kinésithérapeute. Ah non, alors non, puisqu'il s'appelle Star Wars. Donc non, il n'a pas donné un nom à son film. Porte-t-il quelque chose sur la tête? Non. Mène-t-il des enquêtes? Non. Voyage, oui. De temps en temps. Ah, regardez. Donc là, il commence déjà à trouver, puisqu'on voit qu'il propose Star Wars. Donc là, on va dire oui pour pas qu'après il cherche encore. Donc là, la peau verte, on va dire probablement. Ton personnage a-t-il les oreilles pointues? Donc là, il a déjà reconnu Yoda. Donc on va lui mettre ne sait pas. Donc non, il n'est pas rouge. Alors une barbe, on va mettre ne sait pas. Est-il un être humain? Oui. Ton personnage est-il de type asiatique? Non. Bon là, vous voyez, il est déjà reparti dans un délire. Parfois, ça me fait ça, donc c'est un petit peu énervant. Non. Donc apparaît-il sur Disney Channel? Bah non. Est-il un chevalier Jedi? Oui. Voilà, là normalement il a trouvé. Donc là il y a l'étoile qui apparaît, là il nous sort. Ah, alors attendez, alors ça c'est quand il a en général. Félicitations, c'est un personnage rarement joué. Alors bah si, donc là. Bon alors on va essayer d'en chercher un autre parce que du coup il a été un petit peu en bas. Il a un petit peu. Comment dire, il a pas réussi puisqu'on lui a mis des probablement. Donc là maintenant on va lui mettre par exemple une chanteuse pour un petit peu chanter. Donc on va changer, pardon. Donc on va mettre Louane. Non. 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 Donc voilà, là pour l'instant les questions elles sont pas du tout en rapport. Donc là par contre mettez oui sur réellement exister parce que sinon après ça, vous allez et essayez pas vous tromper parce que si vous trompez vous allez vraiment vous partir dans un truc dans un délire complètement vraiment enfin un petit peu n'importe quoi. A-t-il plus de 25 ans? Non. Te connais? Non. Ton personnage habite-t-il en France? Bah oui, forcément. Ton personnage peut-il. Bah oui. Enfin, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont un téléphone portable. Est-il un youtubeur? Non, ce n'est pas un youtubeur. Télé-réalité? Non. Milieu d'une chanson? Attention, attention. Non, non, il n'est pas dans l'équipe United. A-t-il déjà joué dans un film? Ah oui. Donc là, ça commence à craindre. Est-ce que tu vois ton personnage lors de repas de famille? Non. Ouh là là, les cheveux blonds. Alors là, on va mettre oui, je crois. Regardez. Participer à The Voice. Louane a participé à The Voice. Donc là, on va mettre forcément oui. Après, je pense qu'il va encore nous poser quelques questions. Ah non. Donc voilà, là, il a trouvé Louane. Donc voilà. Louane Emra, chanteuse donc, et actrice. Donc c'est pour ça. Donc il est vraiment fort, vous avez vu. Donc là, vous répondez oui à la fin pour recevoir les crédits et Lucky Award. Donc là, je l'avais déjà cherché sûrement. C'est pour ça que je ne l'ai pas eu. Le petit logo. Donc là, on va juste revenir au menu. Voilà. Donc sinon, voilà. J'espère que ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à l'installer parce qu'il est gratuit et il est vachement sympathique. Et si vous voulez chercher des personnages comme des youtubeurs que j'ai trouvé, il y a Was Freestyle qui est trouvable. Thibaut InShape, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a Squeezie. Qu'on peut trouver, donc il y a plein de personnes qu'on peut trouver, plein de célébrités, Jean-Jacques Goldman, que j'allais chercher, donc il y a plein de personnes, donc c'est vraiment sympathique. Il est vraiment fort ce gars, et donc c'est pour ça que je voulais tester ce jeu, c'est assez marrant. Et essayer parfois de le faire douter, mais par contre, essayer quand même d'alterner avec des réponses aussi sérieuses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Cette semaine, je ferai une vidéo sûrement jeudi. Jeudi ou vendredi, donc ce sera mercredi, jeudi ou vendredi et samedi ou dimanche. Voilà, ça fera 4 vidéos normalement, donc ce sera déjà pas mal pour la première semaine de vacances. Donc voilà. Donc moi je vais vous dire à demain pour une vidéo FIFA. Moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Lucas.